sais si je vécu. Là, on est dans le pic. Là, on est dans le pic. Là, on filme à la fin. Là, on filme au début. Ouais, il fait chaud vraiment, ouais. Pour montrer le bordel. Je donne de quoi de Grétis à Johnny Grétis. Au tabarnak. Le jeu Destin. Tu sais, le jeu de table Destin, oui. Mais japonais, avec des bibittes puis des affaires weird. Fait qu'au lieu de te marier puis de faire des enfants, ben, tu fais comme se amuser par des extraterrestres avec des bouches pis des yeux. Fait que c'est meilleur, finalement. Fait que c'est vraiment meilleur. Mais Destin du Japon, là. C'est mon destin. Ouais. C'est mon destin. Qu'est-ce qui fait chaud, tabarnak? Pour ça que je sens bien. De me donner de quoi de Grétis avec. Il m'a donné le jeu préféré à Bruno Georget. Pit Fighter. Wow! C'est le jeu préféré à Bruno Georget. Ça me l'air bon comme jeu. Des chicks digitalisés. Hey, hein? Hey! On veut ça. Yeah. Je tiens que c'est vraiment pas bon en plus. Midway Before Mortal Kombat. Ben voyons donc. And it stinks! Non, on fait le tour. Ouais, je m'en viens. Ah, ok. J'ai rajouté un petit stock que j'avais pas sur la liste. Ah, oh, ça c'est fun. Que j'ai retrouvé. De ça, ouais, mais on l'a. Monster Lair. Ouais. Il y a une pelle, ça m'interpelle. Ça a ah, l'air mystérieux, là. C'était cool le jeu à 20$ que tu nous as fait. Merci, Fred. Ouais. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. C'est très bonne, moi. Il y a vraiment des bons jeux. Cool. Fais-moi pas, j'ai pas été vu en public. Trop tard. Il l'avait eu avec les Retro Warriors. Daniel qui l'a. Il a essayé de le travailler. C'est tellement drôle ce fois-là. C'est là qu'il était dans un encan de session dans Hashtaga. C'est les Retro Warriors qui l'ont envoyé. J'ai comme fait, ah merde, vous l'avez pris, je le voulais juste pour ça. On va checker à suivre, je sais pas, je vais pas. À suivre. À suivre. Là, tu connais, tu as travaillé pour Game of Thrones. Je sais pas si c'est ton bottom price, là. Je l'ai payé 200 salons de bottom. Je l'ai vu, j'ai mis Gabriel. Ils l'ont vendu cher, même les Retro Warriors. Mais ouais, c'est ça, fait que je me dis 180. Ouais, c'est ça, deux. Après ça, t'as le hockey. Là, tu peux jouer au squash. Fait que ça, c'est tes cards dans le fond. Ça, c'est tes sélections de jeu. Puis t'as le pistolet. Le contournable. On finit ça sur Baroque. Ça, c'est baroque. Ah ouais? On t'a pas vu encore. Ouais. Tu donnes des chaniques. T'es sérieux? Ça a déjà commencé? J'ai fait deux poupes, j'ai de la misère à me rendre à vous autres. Pas de donner plein. Oui. Mais là, j'aimerais ça le payer 5$. Ça qu'on va lui demander. Ce jeu-là, il est 5$. Non? Non, il est rien. Il est rien. Ben, il sera pas 5$. Non, là. Je vais le laisser là. Non, je vais le laisser là nonchalamment. Là. J'aurais donné 5$ pour moi. Honnêtement, c'est le Power Chaser, ça va être ça. Ouais. Non, mais je suis à 5$ parce que honnêtement, je me l'ai fait voler et il faut juste que je le rajoute. C'est quoi? À 5? Chris. Il était filmé en plus. La pression était là, coucou. Ah, c'est ça son truc, c'est la pression. Merci, c'est vraiment fort, mon gars. Un beau Mario Land. T'aurais pu pousseter un peu ta manette, Guillaume. Nah. C'est de la poussière en extra. C'est cool, hein? Bah! Bah! C'est vrai, le nombre de gens qui ont chié la vie. Ah! Surtout les mains collantes comme aujourd'hui, ah, là, c'est ça colle. Tout colle un peu, tout. C'est la brume de nos corps. Tout est couvert par la brume.
Éric Lapointe, d'ailleurs. Ouais, ben oui. Roger Labrouille est décédé, vous pouvez trouver quelque chose, là, tu sais, à mener ici. Sur le coup, je pensais que c'était un jeu de Daft Punk. Ça aurait été cœur, hein? Ça aurait été malade, hein? Ben, un ça... Tiger de Daft Punk. Quand tu l'ouvres, je te dis que ça fait le même son qu'une tonne de Daft Punk. Wow! Mais c'est la même Oustrum qu'elle est connue. Ah ouais? Même affaire? Même affaire. Même affaire. C'est juste la shape. Ouais. Et c'est la même affaire. Tu peux jouer en japonais ou en anglais. En anglais? Anglais? Ouais, ouais. En anglais. Ouais. Cherche des fighters de seconde génération. Pas de seconde génération, mais de second niveau. Comment on pourrait dire? King of Fighters. Non, pas ça. Il n'y a pas ça. Mais Westness. Comme des jeux. Je vais vous montrer ça tantôt. Là. Je cherche des affaires comme ça. World Heroes. World Heroes 2. C'est bon. Je cherche généralement la DS. Ce jeu-là, on l'a trouvé. Mais pas Seal, par exemple. Mais c'est comme un Metroidvania Q. C'est Dom Pops Cassette qui m'a conseillé ça. Puis, c'est ça. Je vais essayer de trouver ça. Regardez en arrière. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est comme un petit bonhomme cute. Metroidvania, sauf que sur ton écran du bas, t'as comme des monsters que tu traînes. Puis c'est comme un peu Tamagotchi meet Symphony of the Night. Fait que c'est vraiment empoigné, ce jeu. C'est quoi, y a-t-il une différence de valeur? Pas vraiment, là, non, ça vaut tout 20$. Le bord, sûrement. Le bord, c'est bien sûr de savoir. Je pense pas que ce soit écrit dans le jeu. Mais c'est la boîte et le manuel aussi sont. C'est quel que tu veux, rien. Tu t'en fous, dans le fond. Original, always original. Ouais, juste que Thomas, c'est un effet, là. Là, j'ai de le regarder, mais non, rien de plus. Pas besoin de ça. Pas besoin de grise. C'est les vieilles habitudes. J'ai pété le sang. M'en manque moins que ça, man. So much color! Love it. Ah, c'est là, Vincent, là, il me fait chier en esti, là. Oh my god. He's teasing me. Non, c'est pas raisonnable. Tu sais, quand tu dis que c'est pas raisonnable, là. C'est ce que ta mère me dit. Non, mais elle a même pas besoin de me le dire. Je le sais. Je le sais que c'est pas raisonnable. T'as-tu acheté des affaires, Oli? Pas encore. Non? Non, je suis pas vraiment en mode dépense. Non, c'est ça, moi non plus. Je suis pas en mode dépense. En mode laine. C'est bon, hein? ça fait longtemps que je le regarde. Il servira à rien, pantoute. Ouais. Pourquoi? Il joue pas? Je joue avec le bonhomme, moi. 30$, c'est fort, le bonhomme. T'as trainé la relève à faire du chasing, tu sais bon ça? Bon neveu! Cool. On cherche quoi aujourd'hui? Salut! Bon, dans le fond, on cherche des jeux parce que ce week-end, on va juste gamer. Fait que d'un coup qu'on sort d'ici, on s'en va essayer tout ce qu'on a acheté. Est-ce que ta matante te fait jouer souvent à la Genesis? Ben, ouais, mais je joue chez nous, genre tout ce qui est 64, Nintendo. Nice. Cool. Je suis bonne là-dedans. Quand il était jeune, quand il était enfant, je l'ai adapté à Sonic. À Sonic. Là, il me disait, ma tante, pour ma fête, je veux du Sonic. Mais c'est parce qu'on trouvait rien avant de Sonic. Fait que là, j'achetais des petits toutous à comme 30-40$, ridicule. Il donnait du Sonic. Je l'ai brainwashé jeune. Arrête de consommer ma data et l'eau. Les cartes Pokémon! Je pense que Lily a un problème avec les cartes Pokémon. Il y en a plein que j'ai pas. Oh non. Je me suis rendu compte de quelque chose aujourd'hui. Celui-là, il ressemble à un petit vagin. Carl, j'espère que tu vas éditer ça. Ça n'a pas d'allure, ça, les cartes Pokémon. Ça passe, c'est comme un petit clitoris. Mais à quoi ils ont pensé? Ouais, son visage, c'est un vagin. Il y a des affaires qui se manigancent ici. Donc, Tom, on va négocier. On va négocier avec Julien. Son clé. T'as-tu d'autres choses qui nous intéressent? Moi, dans eux, j'ai pas checké. Là. Moi, je cherche les Gradius. Tu vois, les deux Gradius. Bon, ça, c'était... Ça se fait chaud, ouais. 18. Ça, c'était 15. Mais ça peut passer à 15. Ça, c'était 8. OK. Bon, ça, il y a plus quand même. Lui, c'était 8, 15, 15. Showdown. C'est pas Showdown, non? C'est Samouraï. Showdown avec un... Samouraï, c'est un autre fighter. Là. Un jour, je vais l'avoir, les gars. Un jour, je vais l'avoir. On va finir avec les vidanges, là. On aura des beaux jeux après. Pas fait ça, mais... Ouais, c'est le deuxième grand jeu.
Je vais montrer tantôt si je, si je l'achète. On sait pas si on va. Tu achètes quelque chose de gros? J'achète de quoi de bien gros. Tout le monde a ça, je suis là, je suis aujourd'hui. Tu sais comment il est propre, sauf moi, man. Moi, je l'ai pas. Il est propre en Christ. Il est mint as. Mint as fuck! Monsieur Retro Game Hunter, là. Vidéo Game Hunter. Notre compétiteur numéro 1. Non, non, après les Retro Warriors, bien sûr. Ils sont où les Retro Warriors? Ils sont où, est-ce-tu? Ah, y'a Tijo. Tijo. Tijo est là. Ah, Tijo. J'ai mis où? On le sait pas. Fait qu'il envoie le master des Retro Warriors, là. C'est un méchant crotté, lui, là. J'ai déjà mangé des hot dogs. Ah, moi, j'ai mangé santé avec Dej et Lily. Sérieux, qui là? Il y avait tellement de condiments, là. Il y avait plus de condiments que de hot dogs. Ah ouais, ils ont le pain, ils mettent beaucoup d'oignons dedans. Hein? Le pain est imbibé de moutarde. Ça m'a tombé sur le cœur. On va checker même Fred. Regarde, Fred, il mange. Il mange des bons hot dogs. Non. Ils sont où les miens, Fred? Regarde, j'ai donné de l'argent, on va te chercher, Charlie. J'ai sans santé, il n'y a pas de bédane comme moi encore. Il est bon, pareil. Il top la route, est-ce que tu sais, Robert, pour ça, j'ai été traité de manger de hot dogs. Mais pourtant, il a été premier ministre. Moi, je m'en vais le braquer. On va braquer. On va braquer Paris. C'est la fausse. Pas avec l'amibo à pop, tu sais, man. J'ai même pas dit salut la journée. Marie! Ça, Ben! Plein de Sonic 2, là! Ben non, c'est pas des Sonic 2. Attends, oui. Ah, mais garde ça pour le pick-up. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Non! C'est qui a fait ça? Matt! Hier, on va aller le voir avec le son. C'est fin, man! La tornade avec les requins, hey man! Il te connaît, là! Ah non, c'est parfait! C'est cool! Black cassette et une black CD! On lit Black Cassette and Black CD! On va aller leur voir à Saint-Jérôme, man! Ben, on n'aura pas le choix! On passe par là! Tant qu'à passer par là, on. Aujourd'hui, toi qui manges tes crottes de fromage dans ton salon et qui n'amènes pas ses jeux, là, je vais envoyer mon drop. Ma liste de SNES pis de NES. Là. Maman, j'ai pété le sang au NES. Okay. Pis au SNES, maman me trempe, là, pis aidez-moi quelqu'un. Là. Moi, l'update, là, pendant le fight G, là, ben, personne m'a aidé. Là. Ouais. Je l'ai acheté. Ouais. J'ai acheté sur les Ontario. J'ai trouvé Super Turrican 2, j'ai failli me glisser les mains deux fois. Okay. Ça, je cherche ça activement. Puis Buckaroos avec Max Godbout. Failli trouver un deal avec un gars. Max finit sa collection. Il manque juste le manuel. Fait qu'on a essayé de se mettre ensemble, tu sais, allier les forces, tu veux dire. Puis ça n'a pas marché. Ok. Voir de ce temps-ci. Zéro de Kamikaze Squirrel. Ouais. Ben, tu sais, c'est un jeu que Fred Gému avait poigné dans un encan de succession. Que j'avais vu passer. Là, il revient encore. Puis je suis comme, ah, oh, man. J'ai tellement passé d'en face souvent, ce jeu-là. Un jour, peut-être prendre. J'ai pas acheté de gros jeux, j'ai de la misère à trouver mes jeux. C'est quoi le jeu là? Zéro de Kamikaze Squirrel. Nice. Qui l'a pas ce jeu là? Son nom m'échappe, il est petit. Il est pas. On dirait qu'il en a perdu une petite belle. C'est toi là! Bon, t'as-tu réussi à vendre ton amiibo? C'est 40$. Mais là, paraît qu'il y en a eu d'autres et puis qu'il y a eu un reprint, là, ça a baissé. Vincent, il y en a un pareil, apparemment, il vend 15$. Fait que, tu sais, moi, genre, 3 fillers à 5$ ou quelque chose. Ou des affaires de même. J'sais. Max, tu t'as du bon SNES des fois. Es-tu ouvert au trade, Pops? Mais attends, il y a des affaires. Un quick shot dans le. Ça m'en prend 6. Bon, t'as un peu de Chronicle de Pop, ça s'est passé sur son amiibo, genre. Ah ouais? C'est parfait. Regarde, il est là, on le voit, il se pose avec son amiibo, là. Il a fait de passer son amiibo, là. C'est rendu un scalpeur d'amiibo, papa. C'est pas drôle. Tu l'entends, là. Il a fait des ventes. C'est amiibo, merde. Quand on lit, c'est de la rare d'amiibo. C'est tout, Julien? Ah oui. Hey, tu t'en vas où, Julien, avec ça? Non, maintenant, pas trop loin, Julien. Ah, OK. Ça, c'est un petit filler, pas trop cher. Une bière, je vais te le prendre. C'est pas cher. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas un bon jeu. Méga quoi? Il a réussi. J'ai des choses qui se passent ici. Oh, on a un moment historique ici. Il y a un amiibo Shovel Knight. Il y a un amiibo Chassé. Qu'est-ce que tu as trade? T'as réussi à trader? On a fait un échange. C'est un super. Good job, Pops. J'aurais pas d'amis pour jouer à Two Player à Shovel Knight. Mais c'est pas grave quand même, c'est le
c'est le personnage qui m'intéresse. Tu sais, que j'étais surpris qu'il fasse un amiibo avec ça. Honnêtement, je vais le prendre. T'as pas une monnaie d'échange pour lui? Tu veux pas, tu veux pas. Il est dur sans monnaie d'échange. J'aime mieux acheter des affaires et vendre mes affaires. Tu vas lui donner son prix? Ouais, je pense que... Un prix d'ami ou un prix d'ennemi? 550 sur eBay en ce moment. Ça, c'est un prix d'ennemi, ça veut dire. Good job, man. C'est peut-être de ta tablette dans pas long, man. Ça va, man? Ça va, man? Ça va? C'est documenté déjà. J'ai pas encore payé. Ah, mais ça s'appelle quand même. Au Japon, ils appellent check la qualité, man. Hey, c'est fou, il y a même des Lolita ici. Hey, elle est où la Lolita, man? Je sais pas. Je sais qu'elle est nulle part. Elle est cool, man. Moi, je la trouve cool, man. En même temps, attendant de Guigui. Guillaume. Mais en même temps, c'est-tu un level up ou level down? Wow! Moi, je l'admets. Sérieux, je l'admets. Sous Harajuku est parmi nous! Parce que c'est une Lolita de Death Smile. Ben, mon gag alternatif, c'était les filles du roi viennent de débarquer, mais c'est vraiment pas fin, fait que je vais comme pas dire ça. Ah! Je te dis. Ben, je sais, mais c'est le chapeau qui m'a comme fait, c'est du whatever. Ce jeu-là, là, quand c'est sorti, je suis allé au Burger King m'acheter un trio pour l'avoir. T'en souviens-tu de ça? On est allé à Longueuil. Si tu veux faire une vidéo louche là-dessus, écoute, j'ai payé un gros 2$ à Sheldon. Hey, je l'ai déjà. Je te laisse. Comme je te dis, je l'ai acheté avec un trio à l'époque. Je pense que c'est super gentil, mais j'en veux pas deux. Je vais avoir 15 minutes de fun, je pense. Ouais. Et après ça, je ne serai plus jamais. Mais c'est quand même drôle, là. Tu vas voir. Tu sais ce qu'ils ont compris, Burger King? Quoi? 10 nuggets pour 2$. Ils ont compris en salle. Ils font ça? Hey, comment l'écran est belle, c'est transparent. La belle job à rétro-modding. Un speaker intégré, les pitons sont très malléables, très mous en main, j'aime ça. Ça sent frais. Tu vas gamer au Game Boy comme un vrai, là. Un vrai, tu sais, parce que là, je suis... Il y a pochette custom avec. Ben oui, tiens, viens, check ça. La petite pouch. Ben tiens, elle check comment c'est doux en plus. C'est taille. Hein? Je suis tout excité. Yeah. Ben oui. Je pense que j'ai une érection qui s'en vient. Ah, trop tard! Tu sais, l'autre fois, là, quand tu en as acheté un, là, à Retromodding, tu disais, ah, la seule affaire qui manque, c'est l'affaire de la batterie. Ouais? Ben, j'ai un secret à dire, il m'a montré quelque chose tantôt. Ah, ouais, ça s'en vient, hein? Okay. En tout cas, je dis ça de même. Peut-être que quand cette vidéo-là va sortir, ça va être déjà sorti. Ouais, c'est sûr que... Vous l'avez appris ça. Ouais, c'est ça, vous l'avez appris ça. Ben, tu sais, je veux pas voler son punch, là, mais tu sais. Peut-être que tu fasses un montage, là. Ouais, exact. Ça, je le dis parce que d'un coup que c'est sorti, on va pouvoir le vlogger. Hey, le fusil est encore là. Il est encore là, il me semble que je l'ai tripoté à la dernière. Ouais. J'ai fait des jokes. Effectivement. Je vais faire une deuxième fois en étant filmé, ce qui serait un peu fâcheux. Mais fait chaud en hostie. Hey, c'est fun, parce qu'il y a personne qui pue. Ça, c'est bon. Non, mais faut le noter. Faut le noter. En tout cas, dans mon coin, ça pue pas. OK. Hey, tantôt, j'ai pété, mais il fait tellement chaud que ça a resté. Mais... Ça a comme ça a descendu, ça a coulé au fond, man. Puis l'essuyer de ses mains. Hein. C'est ça. Oh, des box de Sonic, hein, ben calé. Faut pas le dire trop fort. Attends. Hey, c'est ça à toi, Marie? Marie? Ah ouais? Monsieur Laniel! Hein? Avec un deal de Monsieur Laniel! Sérieux? Il t'a vendu ça? Oh my god! Hey, attends, ça manque de. Ah, oh, merci! Oh, hey, on vient décompter! On est rendu à 18! Aujourd'hui? Hey, ouais. Sérieux? Qu'est-ce, c'est comme l'Halloween, c'est-tu, vous autres? Là, on savait pas, là, mais. Wow! C'est incroyable! Une rig! Qu'est-ce que t'en penses de ça, Dom? Pour ça, gros! Ouais, c'est gros! C'est vraiment gros! Mais pour elle, c'est parfait, là! T'sais. Tape ma tante! Tape ma tante! On recommence ça! Oh, il y a une ring, c'est wow! C'est lourd! Ouais. Qui? C'est Yami Yager. C'est qu'est-ce que t'as donné, Ben? Un jeu de hockey. Ça manquait de ça dans ma vie. Ou Yami Yager. Ah ouais, parce que toi, tu tripes ces joueurs de hockey, mais solides, là.
Ça, c'est quand les boys, viennent à la maison. Ok, tu sortiras une Nature 94. C'est quoi la carte? Ouais, c'est bon. Pas mal mieux. Je l'ai acheté pour quand les gars viennent à la maison, je suis fine, hein. Oui. Quand la plèbe vient à la maison, j'ai juste des jeux pour eux. Quand la plèbe. Ta gang, c'est la plèbe. C'est cool.